Voici un exercice de lieu géométrique avec des nombres complexes. Il faut déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z qui vérifie module de 3 plus iz égale module de 3 moins iz. Alors, on peut constater que 3 plus iz, si on le factorise par i, cela nous donne moins 3i plus z. D'accord? Et 3 moins iz, si on le factorise par moins i, cela nous donne 3i plus z. Et donc, comme le module de 3 plus iz est égal au module de 3 moins iz, cela équivaut à dire que, comme ici le module de i ou le module de moins i est égal à 1, et que le module d'un produit, c'est le produit des modules, eh bien, je vais avoir le module de cette quantité que je vais mettre dans ce sens-là, z moins 3i, qui sera égal au module de cette quantité que je vais écrire dans ce sens, module de z plus 3i. Je vais transformer ça en soustraction, module de z plus 3i égale module de z moins 3i. Et je vais noter donc m, le point d'un fixe z. 3i, ce sera la fixe d'un point A. Et moins 3i, ce sera la fixe d'un point B. À ce moment-là, on reconnaît ici le module de zm moins za qui est égal au module de zm moins zb. Et donc, ce sont les longueurs am et bm. Et elles sont égales. Donc, si je fais le plan complexe comme ceci, je gradue, je place le point A d'un fixe 3i, il se situe ici, le point B d'un fixe moins 3i, il se situe ici, et donc l'ensemble des points M, vérifiant AM égale BM, se situe sur la médiatrice du segment AB. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins de l'axe des abscisses. Donc la réponse à la question posée, c'est que le lieu géométrique de ces points M est l'axe des abscisses.